Le mariage des deux voix de Kenji Girac et de Claudio Capeo, ça marche très très bien. Que Dieu me pardonne. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. C'est toi. C'est un spécial Claude François dans Mieux vaut star que jamais cet après-midi avec des artistes qui chantent Claude François, sosie, mais pas que. Peut-être aussi des fans, certainement. Et puis un chanteur qui s'appelle Gabi, qui est avec nous en studio et qui chante aussi du Clo-Clo. Frédéric Such est avec nous. Marion Clo-Clo est avec nous également. Alors Marion, vous êtes assez connue, d'ailleurs, des télés, des médias. On vous voit depuis une bonne vingtaine d'années dans les médias, hein, quand même, hein, Marion. Oui, au moins. Je dirais même peut-être bientôt 30. Peut-être, mais bientôt 30. Alors, on vous a vu à la recherche du nouveau Claude François il y a déjà quelques années. Vous étiez arrivée en finale, je crois, non ? En finale, et j'ai terminé deuxième, qui est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Je crois que vous êtes la seule femme, non, à être sosie de Claude François. À faire ce que je fais, oui. Ouais. Dans le monde ? Dans le monde, je ne sais pas. Mais pas sûr. Remarquez, il était surtout connu en Europe, Claude François, mais pas forcément, pas trop aux États-Unis, en Belgique surtout. Ouais, voilà. En Belgique, évidemment. Frédéric Such, vous êtes fan à la base ? Oui, oh là là. depuis que j'ai 16 ans, oui, ça fait une trentaine d'années. D'accord. Ouais. Vous faites pas votre âge, hein, Frédéric. Moi, non, j'ai hésité à le dire, en fait. Mais tant pis, c'est fait. Frédéric, alors vous n'êtes pas le sosie, mais vous chantez, vous dansez aussi comme Clo-Clo. Je pourrais danser, oui, mais je me contente plutôt de chanter. Juste de chanter, mais juste par la voix, donc on a la sensation que c'est lui. C'est ce qu'on dit. Enfin, moi, quand j'ai lancé un appel en fait sur le Facebook de France Bleu, je dis qui connaît des gens qui chantent Claude François. Et en fait, il y a quelques noms qui sont arrivés, comme Marion, comme Frédéric. Et on dit ouais, ce sont les meilleurs, il faut les prendre. Alors, moi, j'aurais bien aimé que vous veniez dans les studios, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu loin. La prochaine fois, hein, vous viendrez en vrai, et, ça c'est sûr. Oui, et donc, du coup, on dit oui par rapport à la voix. On vous avait fait des spectacles, Frédéric aussi, quand même. Non, j'ai pas fait de spectacles. Pas encore. J'ai fait de la musique un petit peu de temps en temps. Ouais. Mais pas de spectacle, non, à proprement parler, non. Bon. Vous, Marion, des spectacles, vous en avez fait, mais alors des millions. Des millions, on ne va pas exagérer, parce que bon, je travaille à côté, j'ai un travail à côté, donc les spectacles, c'est... j'y vais quand on m'appelle, en fait. Par rapport à mon travail, j'arrive à gérer les deux. D'accord, mais vous en avez beaucoup, des spectacles, le week-end, des choses comme ça Le week-end prochain, oui, je m'en vais dans l'Oise. Dans l'Oise, faire... Dans l'Oise, dans un cabaret. D'accord, j'imagine que ce week-end, vous étiez à Dannemois, puisque c'était un week-end spécial. Mais non, malheureusement, j'ai travaillé, non, j'ai pas pu y aller. Non, n'avez pas pu. Alors, Marion, quand vous êtes sur scène, ça donne ça, écoutez. Laisse tomber tous ces souvenirs. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Laisse une chance à notre amour. Laissons tomber les mauvais jours. Cette chanson, elle disait je t'aime. Cette chanson qui revient toujours. Avec nous en direct sur France Bleu pour évoquer Claude François. Là, c'est bien vous qui chantez, on est bien d'accord. Ah oui, c'est bien moi qui chante, oui. C'est bien vous. C'est difficile, j'imagine, d'être sur scène, de danser en même temps et de chanter aussi comme ça.
En fait, c'est un entretien pour faire du sport déjà, pour commencer, ouais. pour travailler le souffle. Et puis la voix, bon, la voix, je l'ai travaillée aussi. Parce qu'au début, quand je commençais le spectacle, j'étais tellement timide que j'avais peur de me tromper dans les paroles. Ouais. Et c'est un restaurateur, quand je suis arrivée dans le sud, qui m'a dit, qui m'a fait passer dans son restaurant. Et quand il a su que je chantais en playback, il m'a dit non, tu chantes en direct. Et puis c'est à partir de là que je me suis lancée à chanter en direct. Et c'est là que je me suis aperçue que j'avais une approche... plus appréciable au niveau du public qui était bah, bien qui sûr. Était direct. Ouais. Bah, oui, bien sûr. Et depuis ce temps-là, je chante en direct. Et vous chantez toujours en direct. Je chante en direct maintenant. Alors, de temps en temps, il y a aussi, parce que Claude François, il savait bien sûr faire chansons rapides, chansons plus lentes. Vous vous reposez pendant que vous chantez le mal-aimé, quoi, de temps en temps. Hein, ou alors, ou le chanteur malheureux. Hein, c'est ça. Là, vous vous reposez un petit peu, puis après, vous reprenez derrière oui, avec une chanson gros, un petit ça, peu. Oui, c'est ça, mais c'est ça, oui, c'est ça. Et oui, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'autrement, c'est pas possible. Okay, là, lorsqu'on vous voit dans les vidéos, allez voir Marion Clo-Clo, allez voir sur Internet Marion Clo-Clo, vous allez voir pas mal de vidéos. C'est impressionnant, parce que vous faites un spectacle complet. Oui, complet. Le maximum, je fais une heure et quart. Ah oui, c'est pas mal. Hein, quatre ou deux danseuses. Après, ça dépend des budgets, bien entendu. Bien sûr. Frédéric, vous chantez du Clo-Clo le lundi au soleil. Et voilà. Regarde ta montre, il est déjà 8h. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, il doit faire beau sur les routes. Un petit extrait, Frédéric, du lundi au soleil. C'est vrai, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Gabi, que... c'est vrai qu'il y a quelque chose, une ressemblance ouais. par rapport ouais, à la ouais. voix. Vous en pensez quoi, Frédéric ? Ce que j'en pense. Quand on vous dit ça, quand on vous dit ça. J'ai pas le même recul, moi, je m'entends pas de la même façon, je réalise pas la même chose, en fait. C'est vrai, quand on me dit, oh là, la voix de Claude François, même quand je chante d'autres chansons, ouais. je me dis, ah, il dit ça pour me faire plaisir, moi, je trouve pas, voilà. Ah, quand vous chantez d'autres chansons, vous avez aussi la voix de Claude François? Ah, ben, c'est ma voix, donc je chante... Je oui, c'est votre voix, oui, bien sûr, vous ne pouvez pas la changer. Je n'imite pas, c'est bien naturel, sûr. Voilà. Marion, qu'est-ce que vous pensez de Frédéric? Bah moi j'aime bien l'entendre chanter. Ouais. Je prends plaisir de l'entendre parce que c'est propre, c'est beau, voilà. C'est agréable. C'est agréable à écouter. Ouais. Alors ouais. vous savez quoi, Marion, Frédéric, maintenant vous allez écouter Gabi qui n'a pas dit grand-chose depuis. Oui. Gabi qui n'est pas fan, qui non, n'est pas sosie, qui pas est sosie juste chanteur oui. et qui chante aussi des chansons de Claude François. Mais la particularité de Gabi également, c'est qu'il est jeune. Vous ne le voyez pas, Marion, vous ne voyez pas, oui, Frédéric. Non. Il n'est pas du tout de la même génération que nous. Ah, il est beaucoup plus jeune. C'est vrai que moi je ne connaissais ouais. pas Claude François, j'ai appris à connaître donc, par rapport au film qui bien est sorti sûr. En 2012. Vous n'étiez pas né quand il nous a quittés. Ah non, non, ouais, non j'ai jamais connu vraiment. Voilà, vous n'avez jamais télé, connu l'artiste, ouais, ouais. mais c'est bien parce que vous chantez du Clo-Clo. Oui, c'est vrai. Et c'est bien. Et vous allez nous faire un petit extrait bien sûr, en direct cette soucis. Fois-ci, de Comme d'habitude, oui. mais la version d'Empokora, c'est vous ça. Avez choisi. C'est d'accord la version un peu plus remasterisée, on va dire, un peu plus voilà, dance. On écoute. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid,
je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Bravo! Magnifique! Merci. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique. On va se retrouver dans un instant avec Frédéric, Marion et Gabi. 16h23, France Bleu, Frédéric Such est avec nous, Marion Clo-Clo et Gabi sont là pour parler de Claude François, pour évoquer Claude François, pour chanter aussi du Claude François. Aussi. Frédéric, Marion, vous en avez pensé quoi de Gabi, là, du coup, en direct en plus, en live? Alors, moi, je chante pas bien. Ton album. Pardon? À quand l'album? À quand l'album? Prochainement, j'espère. Alors, vous voyez, il n'ibine pas du tout Claude François. Hein. C'est pas du tout une imitation, c'est juste. Ouais, c'est alors, vous, Gabi, vous chantez toutes sortes d'artistes. Alors, oui, vous faites des reprises, vous produisez. Exactement. Alors, voilà, je me produis donc avec le groupe Heaven Wings, dirigé par Rick Francavilla et Yael Mandel. Donc, on va dans toute la France. On a plusieurs spectacles. Donc, des années 60 jusqu'à nos jours. Et on va dans toute la France pour différents événements, publics ou privés, anniversaires, mariages, tout ça. Et bon. Ça n'a rien à voir avec Claude François, mais on a un dernier spectacle qui s'appelle Retiens la vie. Ah ouais? Donc un hommage à Johnny Hallyday. Bien avec, donc là, on est 10 sur scène avec musiciens, danseurs, chanteuses et chanteurs. Et c'est des professionnels, et c'est des professionnels. Des professionnels, bien sûr. Ça vous arrive de croiser des sosies de Claude François comme Marion, comme Frédéric qui chante aussi du Clo-Clo, comme ça, par rapport à oui, tous oui, les shows que vous faites tout au long de l'année? Oui, c'est vrai qu'on peut voir aussi des sosies de Claude François. Des sosies aussi, ça peut arriver. Alors, Marion, vous avez également fait un petit hommage à Clo-Clo. Oui, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Oui. Ça s'appelle Pas la même chanson, c'est ça? C'est ça, c'est pas la même chanson. Pardon. Auteur Luc Pionnier. Oui, et 30 ans que vous rendez hommage à votre idole. On va écouter un petit extrait, on peut pas écouter en entier malheureusement. D'accord. On va écouter un petit extrait de ce que vous avez fait. Écoutons. C'est toi qui m'as fait rire, c'est toi qui m'as fait vivre, mais tu m'as laissé seul avec tous tes refrains. C'est toi qui m'as fait rire, c'est toi qui m'as fait vivre, je chanterai mes mots. C'est toi qui m'as fait rire, c'est toi qui m'as fait vivre, mais tu m'as laissé seul. Tu dis j'y pense, et puis j'oublie. Tu vois c'est pas la même chanson. Maintenant ce soir, c'est toi qui m'écoutes, et j'imagine tes réactions. Elle s'éloigne, les sirènes d'Alexandrie et les parfums de Magnolia, et ma mère qui me chante belle, belle, belle entre ses bras. Marion, est-ce que vous la chantez de temps en temps, cette chanson? Elle vient sortir. Je vais la faire connaître déjà, ça va démarrer ce week-end. D'accord, ah bah écoutez, on vous dit un grand M hein, pour cette chanson. Frédéric, vous avez également chanté une chanson qui s'appelle Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, hommage à Clo-Clo. On écoute un petit extrait. Prince d'Alexandrie, Roi d'Alexandra, est-ce que tu entends les larmes de Belinda? Parle de toi, elle nous dit chaque jour que tu reviendras. Même si tu revenais, elle t'attendrait là. Bien sûr, elle y pense, bien sûr, elle n'oublie pas. Tu viendras la voir, roi d'Alexandra, pour lui apporter quelques magnolias. Comme d'habitude. Frédéric, cet album, c'est un album hommage. Donc, vous l'avez écrit et composé avec la complicité de votre ami Jean-Luc Vaury. Il comprend 10 chansons, des créations originales, c'est ça? Voilà, exactement.
ça. On s'est concerté et on a fait un album. Donc là, cette chanson-là reprend énormément de titres de chansons. Je crois qu'il y en a au moins 17 de François dans le texte. D'accord. Et après, donc, c'est un album qui parle de sa vie, ses amours, ses succès, un peu tout. Un peu tout, sa carrière également. Sa carrière, c'est ça. Exactement. Bon, ça c'est important. On va se quitter en musique, les amis. Vous connaissez tous la chanson par cœur. Mais là, je vais mettre à l'épreuve Gabi. Oui. Je vais lui donner le texte de la chanson. Je sais que Frédéric et Marion, vous connaissez cette chanson, c'est Le Mal-Aimé. D'accord ? On fait un petit couplet, un petit refrain, les amis, on se quitte avec ça. Pas de souci. On le fait ensemble, tous ensemble. Et même moi, je vais me prêter à ce jeu-là. D'accord ? Okay, on y va, allez, c'est parti. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Ça vaut le détour jusqu'à 18h. Nelly Gauthier, France Bleu Isère. Du coup, merci beaucoup. Merci Frédéric Soch d'être venu dans cette émission. Merci à Marion également. Merci. Bravo à vous. Hein. Bravo. Merci. Un grand, grand, grand bravo à vous deux pour chanter Clo-Clo tout au long de l'année. Hein, du coup. Oui, c'est ça. Et puis merci Gabi d'être venu dans cette émission. Merci à toi. À bientôt. Merci à bientôt, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Ça vaut le détour jusqu'à 18h. Nelly Gauthier, France Bleu Isère.